Ce matin, je suis allée chiner avec Avril. Je lui ai demandé de m'aider parce que tout récemment, je me suis rendu compte que, alors que ça fait 5 ans que je vis dans cet appartement, je m'y sens étrangère et que ce lieu de vie qui est aussi mon lieu de travail ne m'inspire pas beaucoup. J'ai toujours méprisé l'idée de décoration intérieure. Les objets qui m'entourent sont arrivés de manière arbitraire. Je les ai choisis avant tout pour leur fonction et parce que je les ai trouvés facilement. Donc je pense que l'heure est venue de rendre cet appartement accueillant, personnel, beau, un qualificatif qui ne répondra qu'à ma propre définition. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis pas pressée. Je sais pas par où commencer, je sais pas ce que j'aime. J'ai peur de changer d'idée tous les jours. Mais comme je suis accompagnée, c'est rassurant. Aujourd'hui, on a trouvé 2 objets dont l'un est parfaitement inutile. Le premier, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai vu sur une petite table une collection de seaux à champagne et je me suis dit, bingo! Ça, c'est une poubelle de salle de bain. Moi, je trouve que c'est intéressant quand tu réinvestis, quand chaque objet est investi. Quand chaque objet n'appartient qu'à toi, finalement. Après, c'est pas possible pour tout, mais... Chaque fois que je vais jeter mes vieux Kleenex, mes cotons hydrophiles, mes Tampax, je pourrais m'écrier « Champagne !» L'autre, c'est une initiative d'Avril, pour le coup purement décorative, mais philosophique aussi, elle m'a dit « C'est modianesque ». Donc c'était évidemment l'argument imparable pour me convaincre. C'est un petit panneau sorti qui devait servir dans un magasin. J'aime beaucoup la typo. Je l'ai accroché au garde-fou de la fenêtre pour les jours où les idées noires entraînent mon regard dans cette direction. Je m'en fais un peu de toute cette quête en apparence superficielle. À la fois, c'est fou ce que ça m'excite et comme j'ai de l'élan et comme ça m'amuse, je trouve ça ludique. Et j'apprécie de rentrer chez moi et de croiser ces nouveaux venus dans le paysage. Tu crois qu'il y a quelque chose d'urgent que je devrais acquérir? Tu trouves ça superficiel, toi? Après, c'est des détails, mais... Je pense que se sentir bien dans sa peau, c'est aussi se sentir bien dans son lieu. Et ça passe juste par le fait que... Tu investis ton lieu. C'est pas une question d'esthétisme, c'est juste que ton lieu te ressemble et que tu ne subis pas les objets parce qu'ils sont arrivés là par hasard, parce que tu en avais besoin, mais que voilà, ce sont des choix.